Good morgen, allez, Idan, et ce soir aujourd'hui, le Nishmat avant mon Rebbe Nisraq, Befani de Ben Fortuna, Mazal Fritna, et de Robat Esther, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de demi chaque côté de 5 minutes, avant de nous allons faire votre péricule, Gimel et Mishna tête. Shnaim, chez Otsiou, Shtarcho, Ze Alze. Admon Omer, Ilo Aïti Chayav Lecha, Ketzad Atalovim Meni, Rachamimorim, Ze Gove Shtarcho, Ve Ze Gove Shtarcho. On a là le dernier décret de Admon, du Pérec, qui ressemble beaucoup à la halakha précédente, avec quelques petites nuances en tout, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner une nouvelle halakha. Soit, je traduis le cas directement, Shnaim, Shotsiu, Shtarchov, Zalze, deux qui ont sorti deux reconnaissances de dette, un contre l'autre. Moi, je t'ai prêté 200 000, il y a 2 ans, tu ne m'as toujours pas remboursé. Et toi, tu me sors un contrat que tu m'as prêté, toi, 200 000, il y a 1 an, et je ne t'ai toujours pas remboursé. Et alors là, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? Il y a plusieurs éventualités. Il y a marqué, tu dois 200 000, l'autre, il doit 200 000, donc ça fait 0-0. Personne ne va dire ça, quoi qu'il arrive. Mais, il y a quelqu'un qui va le dire, 2 minutes. Il y a d'abord, premièrement, il y a Admon, lui, il va nous dire, Admon, il va dire comme ça, Ilo Aïti Chayav Lecha, l'autre, donc toi, tu vas prétendre, tu vas dire, si je te devais de l'argent, non, c'est des rôles, c'est plus facile, j'ai compliqué l'histoire. Tu sors, je reprends l'histoire. Toi, tu me sors un contrat que je te dois 200 000, il y a depuis 2 ans. Et moi, je te dis, écoute, mon cher ami, l'année dernière, à la même date, Bidiouk, je t'ai prêté moi aussi 200 000. Maintenant, je te dis qu'on était les 200 000, je te les ai remboursés. Et toi, tu as eu besoin d'argent, et puis moi, je t'ai prêté de l'argent. Parce qu'en fait, il n'y a aucune logique que si jamais je te devais de l'argent, et que je vais te prêter de l'argent. Si tu veux que j'ai de l'argent, récupère d'abord ta dette avant de te soucier à emprunter de l'argent. Quelqu'un qui me doit... J'ai besoin demain de 100 000 shekels. Il y a une personne qui me doit 100 000 shekels et j'ai la possibilité d'emprunter de l'argent de 100 000 shekels. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais récupérer de l'argent chez celui qui me doit. Donc, si toutefois, je ne suis pas parti récupérer mon argent alors que tu l'avais, la preuve que j'ai l'emprunté. C'est la preuve par excellence qu'en réalité, je t'ai remboursé, que maintenant, je t'ai même ensuite prêté. D'accord? C'est ce qu'il nous dit Admon, il aurait été chayav lecha, si réellement je te devais. Keitzad talovem meni, comment t'as pu emprunter de l'argent de moi? C'est sûr qu'en réalité, je t'ai remboursé et je t'ai prêté ensuite. Donc en réalité, ton shtar il s'annule, et puis moi je te réclame maintenant juste 200 000 et tu rembourses à moi 200 000. Vachachamim omrim, pas du tout. Zego beshtachovo, chacun récupère son argent. Parce que c'est possible qu'en réalité, chacun il ait prêté de l'argent. Alors là, il faut faire un petit peu, ça manque un petit peu d'éclaircissement. En réalité, sur les échéances de dette, c'est très important. Parce qu'en réalité, si moi je regarde que tu me devais 200 000, je t'ai prêté 200 000. Mais la question élémentaire, elle est quand la date d'échéance? Si la date d'échéance, elle est au bout de 2 ans, c'est normal qu'au milieu, si j'ai eu de l'argent, j'avais pas le droit de récupérer mon argent. Donc je suis parti te demander que tu me prêtes 200 000. C'est-à-dire, moi je t'ai prêté 200 000 il y a 2 ans pour que tu fasses des affaires. Depuis, tu es devenu millionnaire. J'avais besoin d'argent, je ne pouvais pas réclamer mon argent. La date, elle n'était pas venue. Ou bien, je l'ai réclamé, tu me dis non, je ne te rembourse pas la dette, j'en ai besoin de l'argent. Maintenant, malgré tout, tu m'as demandé, et je t'ai demandé, alors tu sais quoi, au moins, tu peux au moins me prêter de l'argent. Et tu as accepté de me prêter de l'argent. Et donc, il y a 2 dettes différentes. Là, c'est si toutefois la date d'échéance, elle n'était pas arrivée. Maintenant, si la date d'échéance, elle est arrivée depuis l'année dernière déjà, alors là, Bémet, on ne comprend pas, c'est sûr qu'il a raison de nous. La date d'échéance, elle arrive. Il te doit de l'argent. Récupère ton argent avant d'emprunter de l'argent. Pourquoi t'emprunter de l'argent? Donc on ne peut pas parler ni de ce cas-là, ni de ce cas-là. Alors de quoi on parle? Il faut en fait, la Gemara explique qu'on parle d'un cas assez particulier. C'est que à la date de l'échéance, Bidiyuk, c'est-à-dire le jour avant, quoi, en fait, la date où la date elle était prête à se finir, j'avais besoin d'argent. J'avais besoin, en réalité, quand je t'ai prêté de l'argent à 200 000, c'était pour le... Gimel Iyar. D'accord? Tu devais me rembourser l'argent de 200 000 Gimel Iyar. Bet Iyar, je suis arrivé et j'avais la banque qui me courait après parce que j'étais obligé de payer une dette de 200 000. Maintenant, j'aurais pu patienter 24 heures. Alors, c'est là la question en fait, qui est la marque qui est en train de demander Chachamim. Est-ce qu'un homme dans une situation pareille, il se débrouille pour tirer 24 heures et récupérer son argent? Ou bien non? Moi, je suis venu te voir depuis le Bet Iyar, parce que j'ai besoin d'argent urgemment. Et toi, tu m'as dit, la dette, t'as encore un jour, t'as pas envie de débloquer l'argent. Maintenant, malgré tout, si je veux te prêter, tu m'as dit malgré tout que si j'ai tellement besoin d'argent, tu acceptes de me prêter de l'argent,
de par ailleurs, et dans ce cas-là, tu vas accepter de prendre l'argent. En fait, la discussion, elle est juste, est-ce que Avidinish délove les Yoma? Est-ce que un homme, et c'est vrai, c'est rapporté ici dans le mot exact de la Gemara, hein, des Yazif les Yoma. Est-ce que Avidinish des Yazif les Yoma, est-ce qu'un homme, il emprunte de l'argent pour un seul jour, ou bien il se débrouille pour tirer pendant un jour, pour récupérer sa dette plutôt que d'emprunter de l'argent de l'homme? D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Astachakoltou, c'est là.